Bonjour, bonjour les amis. Sur le chemin de l'école, comme tous les matins, un petit vlog parfum. Alors, vous l'avez vu dans le titre que moi aussi, je suis comme vous. Des fois, ça m'énerve. Alors, de quoi je veux parler ce matin? Des parfums discontinués. Ça m'énerve. Des fois, je suis triste. Des fois, je suis écœurée. Parce que effectivement, nous sommes dans une industrie de consommation, donc les parfums, il faut en éliminer. Alors oui, des fois c'est une raison de gamme, c'est-à-dire que le parfum ne fonctionne pas à la hauteur de ce que la marque avait mis en plan marketing. Donc au bout d'un an, un an et demi, c'est retiré. Je pense en l'occurrence à certains parfums Jean-Paul Gaultier, qui ne sont pas restés longtemps sur les tablettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Paul Gaultier 2. C'était deux flacons aimantés. Ça sentait le pain d'épices. Il était magnifique ce jus. Il n'est pas resté très longtemps. Cocorico aussi de Jean-Paul Gaultier. Quoi, bref, là, c'est juste deux idées qui me viennent. Parfum, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, surtout aussi chez Lancôme. Ça vient. Qu'est-ce qui fait aussi qu'un parfum peut être discontinué? C'est que il y en a trop sur les tablettes. À un moment donné, il faut les éliminer pour laisser la place aux autres. Je pense en l'occurrence à La Vie est Belle. Je pense que c'est pire qu'une série Star Wars avec ce parfum. Il y en a tellement qu'on ne sait plus. Quand on dit La Vie est Belle, il y a au parfum, aux toilettes, ou ensoleillé. Il y a des déclinaisons en veux-tu, en voilà, c'est fou. Et du coup, c'est une question aussi de plan marketing par rapport aux tablettes, quoi. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'autre problème aussi, qui est un problème plus majeur de santé publique, c'est que dans certains parfums, on utilise des notes de synthèse, on utilise des notes naturelles, et certaines sont retirées du marché par une réglementation très très stricte. Du coup, quand la note est retirée et que le parfumeur, que l'industrie du parfum, les laboratoires n'arrivent pas à recréer cette note, ou encore pire, quand on veut la recréer, le jus est différent, ou encore la note, c'est comme hier, hein, je regarde, c'est pas de voiture, ou la note recréée ne donne pas l'odeur attendue, et du coup... fait que le prix du parfum sera peut-être plus élevé. Quoi, bref, il y a 10 000 raisons pour lesquelles on pourrait ne pas recréer ce parfum avec une note différente. Et puis des fois, c'est tout à fait supprimé et là, il n'y a plus moyen de recréer le parfum. Donc les marques se battent, les grandes marques se battent sur certaines notes. Je pense à la mousse de chêne. Je pense que c'était un été 2012. J'étais à Grasse. Et les parfumeurs se battaient pour conserver la note, la molécule en fait de mousse de chêne naturelle dans les parfums. Vous pensez bien que la maison Guerlain s'est battue corps et âme pour garder cette note-là dans les parfums, bien entendu. Donc, je pense à des gens qui m'écrivent sur YouTube parce qu'il m'est arrivé de parler de parfums discontinués. Et je m'en excuse, c'est vrai que des fois je fais pas le rapport que je suis sur le continent nord-américain. Et on m'écrit en me demandant où est-ce qu'on peut trouver ce parfum-là. Malheureusement, je ne suis pas la fée parfumée. Si vous avez vu mon autre vlog la semaine dernière, j'ai pas de moyen de vous dire où le trouver, surtout en Europe. En règle générale, quand les marques discontinuent un parfum, on commence par l'Europe. Je suis chanceuse, effectivement, parce que j'arrive à retrouver ces parfums-là. Donc, au Canada, il y a encore des compagnies, des fois, qui en ont. Ou aux États-Unis. Mais pour vous aider, vous, je ne peux pas. Donc, à mon grand regret, je ne peux pas vous indiquer où les trouver. Sauf si vous avez moyen de les acheter sur mon continent. Je pense à Dominique dans ce vlog-là, parce que souvent... on parle de parfums de la belle époque discontinués et on est ben triste, comme on dit au Québec.
Donc, je vous souhaite une belle journée. J'adore vos commentaires, je réponds à tous. Merci pour le vlog dernier. Vous avez été plein à me rassurer que, effectivement, vous achetiez les parfums avec les boîtes. Donc, je ne suis pas folle. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Vous faites ma journée quand vous commentez, vous le savez. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et merci beaucoup de votre soutien. Bye bye!